Bonsoir Lépinou, j'arrive tout de suite. J'arrive. Thank you.
Hop, ça y est, me v'là. Oh la vache, c'était intense. Ouh! Salut! Bon, c'était compliqué. Ce soir, c'est compliqué. Je vais faire de mon mieux. La caméra qui se fout en l'air. Oh bah non, Nénette. Non, non, bah non. 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 Reste tranquille. Enfin, un peu de tenue que diable. Ah, bah d'accord, elle a carrément sauté. Bon. Bah alors, qu'est-ce qui te prend? Bon, bonjour à tous, ça va? J'espère que vous allez bien, que vous allez même mieux que moi, parce que là, je suis explosée. Bon, alors, c'est quoi le problème, là? Pourquoi tu veux pas? Bon, attendez, est-ce que j'ai un chat qui hurle à la mort, là? Salut, salut! Des petits soucis de micro, des petits soucis de caméra, tout va bien! On est parti! Salut! Faites pas gaffe à mes cheveux, c'est affreux. Je les ai attachés, mais bon, à mon avis, je vais les détacher à un moment donné parce que ça glisse. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? En ce milieu de semaine. Je vous avoue que moi je suis fatiguée, je suis extrêmement fatiguée là. J'ai eu la brillante idée il y a quelques temps de ne plus dormir sur mon canapé, hein, évidemment, puisque bon, ça s'était radouci, tout ça, tout ça. On était contents. Puis bah là, c'est infernal. Dans les chambres à l'étage, il fait une chaleur de dieu. Voilà. Affreux, c'est juste affreux. Et du coup j'ai très très mal dormi cette nuit. En plus j'ai fait des crises d'angoisse. J'ai pas pris mes cachets aujourd'hui. Il va falloir que je le fasse, je le ferai à la pause. Tout va bien, tout va extrêmement bien. Je suis en forme. J'en suis dans une forme olympique et je suis fatiguée, je suis épuisée. Et j'ai encore 2 jours de boulot qui m'attendent et je ne sais pas du tout comment je vais faire. C'est pour ça aussi que j'ai dit que ce soir, peut-être que je vais pas jouer pendant 4 heures. Mais bon, on verra. Bon, je me mouche. Witcher ce soir? Est-ce qu'on sait s'il y a un modo ou pas dans le chat? J'ai besoin d'un modo. Je vais détacher ça parce que ça va me saouler.
Ça va me saouler, mais en même temps, même détaché, ça va me saouler et ça va me tenir chaud, ça va être chiant. C'est juste peut-être de les rattacher. Je sais pas qui se charge. Ça va être encore une organisation de merde, ça, je le sens. Bon, d'accord, ok. Je sens que ça va être pratique encore, cette histoire. Bref. The Witcher ce soir, je vous fais juste un petit rappel du concours de cette semaine. Punaise, un concours d'une semaine. D'une semaine. C'est un peu court. C'est un peu court, jeune fille. Je sais. C'est un peu court. Putain, j'ai des moucherons partout. Alors, pour rappel, nous avons un jeu qu'il faut que je prépare. Hop, je vais vous représenter le concours et ensuite je fais mes manips en papotant avec vous. Mais je vous montre d'abord et je fais mes manips ensuite. Donc, pour rappel, il y a un concours cette semaine. Concours de rentrée, parce que c'est la semaine de la rentrée, hein, je fais dans l'originalité, hein, toujours. 3 lots à gagner, donc 3 possibilités de gagner un lot. Vous pouvez participer dans l'onglet, dans le salon concours de Discord. N'hésitez pas à faire point d'exclamation Discord si vous avez envie d'en savoir plus. J'ai de la colle partout sur les doigts, c'est affreux. Point d'exclamation Discord, je vais vous le faire, mais n'hésitez pas pendant le live de le faire. Point d'exclamation Discord pour avoir le lien du Discord afin de pouvoir participer au concours. Donc concours de rentrée, qu'est-ce que c'est? Donc 3 chances de gagner, ce sont des stickers en diamond painting que j'ai réalisé moi-même. Et donc qui sont à gagner pour coller où vous voulez. On a... Ah quoi que ça va là aujourd'hui. On a un premier set de la jungle avec des fleurs, des petits oiseaux, des petits animaux exotiques, des feuilles, des fruits, etc. Donc ça c'est le premier set, c'est le set de la jungle. Sur le thème de la jungle, enfin ouais, si on veut la jungle, hein, il y a quand même une poire. Donc ça c'est le premier set. On a le deuxième set qui est sur le thème de la gourmandise avec des donuts, des... c'est le temps que ça fasse un nouveau point. Des donuts, des glaces, de la barbe à papa, du chocolat, etc. Du gâteau. Donc ça c'est le deuxième set de stickers. Le tout sera bien entendu envoyé dans une petite enveloppe. Soit à votre domicile, soit... autant quand ce sont des colis, les colis, je vais y revenir pour les pinous qui ont gagné déjà des lots. Pour les colis, je passerai uniquement en mondial relais. Uniquement. Donc, je reviendrai de toute manière vers vous. Mais ça, c'est des petites choses. Je les enverrai directement chez vous dans une petite enveloppe. Et donc, le troisième set sur la nature. Donc, un soleil, un nuage, des animaux, une fleur, etc. Voilà. Donc, ces trois sets sont à gagner. Vous avez jusqu'à dimanche 22h pour participer. À 22h, je clôt les participations. Je vous fais un message sur le live et je comptabilise le nombre de personnes qui ont indiqué être intéressées par le concours. Je fais un tirage au sort. Premier aura le choix entre les 3 lots, le deuxième entre les 2 lots qui restent et le troisième aura le droit au lot, au dernier lot. C'est dégueulasse ici, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est que, pour vous la faire courte, pour ceux qui savent pas, j'ai fait une maquette, ça fait depuis hier que je suis sur une maquette.
J'ai fait un peu de bricolage pendant la soirée ciné. Donc en fait, il y a un petit peu de trucs un peu partout, des petites plantes, des petits machins, ces petits trucs du diable là qui en foutent partout, qui voilà. Et surtout, les gens savent, les vrais savent, cette poudre verte dégueulasse. Voilà, cette poudre verte dégueulasse, ça se fout partout et c'est un petit peu chiant. Donc là, j'ai tout sur mon PC, tout va bien. C'est pas rangé du tout, j'ai bien avancé, il n'y a plus qu'à... Tout le bricolage est fait, il n'y a plus qu'à assembler le tout. Je pense que j'aurai fini demain. Le principal, c'est que j'aimerais l'offrir ce week-end. Donc, mais vous aurez les photos de toute façon et on la fera en live. Voilà pour les news. Je vais lancer le jeu pour... Enfin, je continue de papoter et je vais lancer le jeu pour faire les réglages. Si j'y arrive... J'ai mal au crâne, vous pouvez pas savoir. J'ai très 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 mal au... très mal à la tête. Donc c'est pour ça que ça va pas durer 3 heures. Hein. Ça, je pense que sincèrement. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh là. Donc ça j'enlève. Ça je mets. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là ça a l'air d'être bon. Ah c'est tout un beans hein, de toute façon. Hein. Quand j'ai pas le temps de me préparer avant le lancement. Et donc là, si je fais ça, c'est bon. Voilà. Bon, on va pouvoir lancer parce qu'il est déjà tard. Et en fait, techniquement parlant, si je veux pas jouer des heures, pourtant on en a des choses à faire. Hein. On vient seulement de rentrer dans Vizima. On vient seulement de rentrer dans la ville, on a toutes les quêtes secondaires, les quêtes, les contrats pour son sorceleur qu'on a à faire. On vient juste de rentrer dans la ville. Je ne suis même pas sûre qu'on ait accès à toute la ville, je ne sais même plus. Je l'ai fait il y a très longtemps ce jeu. Et du coup, voilà, on a tellement de choses à faire. Mais je vais faire le maximum aujourd'hui, mais là, comme vous voyez, je suis très enrhumée aujourd'hui. Depuis ce matin, je suis très très prise. Du coup, ça me fait très mal à la tête. Plus le fait que j'ai mal dormi, plus le fait qu'il fait très chaud dans ma chambre. Enfin bref, c'est un bordel. Sans nom. Bon, je me mouche et on lance. Si j'y arrive. C'est parti. Hop. Scène. Jeu. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça, l'écran de jeu. L'autre, c'était Amour Sucré. Bon, j'espère que l'écran est pas trop gros par rapport à... Je pense que si. Mais on fera les réglages, vous me direz. Hein, les réglages se font au fur et à mesure. Bon ça va, on sait, il s'appelait Gérald, il était sorceleur, blablabla, blablabla. Je sais pas, enfin, je l'ai mis là la cam, je l'ai mis en haut à droite parce que dans BioShock c'était plus facile d'avoir l'écran en haut à droite parce que en haut à gauche il y avait la vie, en bas à droite il y avait les gens qui parlaient. Enfin bref, c'était le bazar, donc c'était plus facile. D'ailleurs, je vais le remonter un peu. Pourquoi c'est aussi bas? Ah oui, c'était pour Zelda. Pour voir les rubis. Alors attendez. Source. Merde. Ah oui, c'est normal. Périphérique. On va se mettre un peu au-dessus.
Voilà. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup. Voilà. Faut bouger à chaque fois qu'on joue à Zelda et tout, c'est un peu pénible. Bon, The Witcher, c'est parti pour explorer Vizima. Si j'y arrive. Ça marche pas! Ça y est. Donc, allons explorer. Je vais baisser le son dans mes oreilles. Je sais pas si. Je sais pas si c'est suffisamment fort pour vous. Attendez. Je m'installe bien parce que j'en ai pour un petit moment. Alors, on était là, on avait appris, je sais plus quoi, qu'il y avait un contrat. Oh, il y a plein de contrats. Contrat sur les algoules, sur les chiens. Oula, c'est fort. Ou alors c'est dans mes oreilles. Non, c'est possible que ce soit dans mes oreilles. Ce que je propose, c'est qu'on aille chercher nos bouquins à la taverne. Et qu'on essaye de les vendre. Il doit bien y avoir un libraire dans cette ville. Mon mari veut se faire engager comme garde. Oh, j'ai l'impression que ça lag. Ça lag, hein. Pour un vieux jeu. Le jardin de l'hôpital, il faut en prendre bien soin. Vous semblez aimer votre métier? Si, je l'aime. J'adore les plantes et puis, je les connais bien. J'ai eu une vie sanglante. Alors, je cherche la paix et la tranquillité. Sanglante? J'en suis pas fier. J'ai longtemps gagné ma croûte comme mercenaire. Mais tout ça, c'est du passé. Et je suis bien plus heureux. Ah, il joue au dé. Je suis ici pour l'annonce. Vous avez l'air d'un guerrier. Vous voulez tuer des équinopes? Bien sûr. Rapportez-moi leurs épines comme preuve. Oui, mais j'ai pas fini de te parler en fait. Regardez comme ça pousse. Racontez-moi vos aventures de mercenaire. Oh, un pigeon. Rapportez-moi à manger et on discutera. À manger? Vous ne craignez pas la peste? Mon jardin est toute ma vie. Quand Mélitel dira que mon heure est venue, je m'en irai content. Bon vent. Mais non, mais je veux jouer au dé avec lui, en fait. Regardez comme ça pousse. Ah, il a des choses à vendre. Ah oui, c'est des fleurs. Je vais sauvegarder. Parce qu'il est hors de question que je me fasse plumer. Pas là. Parce que je vais avoir besoin de bouquins, en fait. Regardez comme ça pousse. Quoique j'ai des sous, mais c'était confort en fait. Je me souvenais pas que j'avais autant de fric. J'ai un full de 1. J'ai une paire. Je vais augmenter la mise. Ok. Il a eu peur. Ça sent pas bon là mon histoire. Ce qu'il faudrait c'est que je relance un dé et que j'espère faire un 6. Ça se tente. Non. Bah oui, évidemment. Oh ça c'est beau. Oh ça c'est beau. Un carré de 4. Très bien. J'ai gagné.
Let's go. Sauvegarder. Sauvegarder et puis en fait... Mais attendez. Hop, sauvegarder. Je vais quand même pas faire que ça toute la journée. De toute façon, on va le revoir, ce mec-là. On va le revoir. J'ai joué une fois. Partie D. Bon, faut que je continue de faire des parties D avec les gens que je connais. Qu'est-ce qui se passe? L'hôpital Les Bioda, où arrivent tous les pestiférés. Ils ressortent direction l'ancienne Vizima, puis l'enfer. D'accord, c'est cool. C'est joyeux comme... Attendez, je me dépatouille avec ma bouteille d'eau. J'ai pas eu le temps d'aller chercher un verre et tout, je vais boire la bouteille ce soir, tant pis. Je vais boire la bouteille, j'ai la flemme. Zoltan! Il y a Zoltan! Et il y a Siegfried! Celui qu'on a vu dans les égouts. Gérald, quel plaisir de vous revoir. Bah, pas moi. Que faites-vous ici? J'ai échoué face au Cocatrix. Bah oui. Vous l'avez tué. Quant à moi, je n'ai accompli aucun fait d'armes depuis. Et j'en suis réduit à monter la garde. Ah, c'est cool. Désolé. Oublions ça. Les tâches les plus simples renforcent humilité et résistance. Et ça vous arrange, car sans moi, ils ne vous auraient pas laissé passer, car ils ignorent votre immunité à la maladie. Il est vrai que la peste se tient à l'écart de moi. Merci, Siegfried. Adieu. C'est ça, salut. L'obscurité sous Vizima laisse les humains sans défense. Siegfried m'aurait ralenti. Il aurait fait une proie facile pour le Cocatrix. Sa torche avait attiré tous les noyeurs. Crétin. J'ai enfin pu chasser en paix. Les sorceleurs travaillent seuls. Gardien d'un hôpital, tout plutôt que de succomber à un bec acéré dans l'obscurité. Et ça renforce l'humilité et la résistance. Je me demande si ça aurait changé quelque chose si je l'avais laissé combattre avec moi. Service, service. Bah, il est passé où, Zoltan? Mais c'est que c'est rapide, ces petites bêtes-là. Zoltan! Jardinier. Pauvresse. Bon, je vais chercher mes bouquins. Faut que je trouve quelqu'un qui veut bien me les racheter. J'ai l'impression que ça lag un peu. Hein. Là, c'est vers les égouts. Pour un vieux jeu, il rame un peu du cul. Hein. Je trouve. Carmen. Bonjour, Carmen. Salut, Carmen. Que diriez-vous de vous détendre un peu, bel étalon? Oh, bah d'accord. Juste un peu. Ça dépend. Je suis ouverte à toute proposition. Discutons un instant. Très bien, discutons. Mais j'espère mieux. Étonnez-moi. L'amour est comme une poire, douce et galbée. Décrivez-moi la forme d'une poire. La forme d'une poire? Au secours. Sans être poète, je sais reconnaître une poire. Montrez-moi plutôt. Oh, allez, montrez-moi plutôt. Ça fait un peu... Oh, ça va, je sais ce que c'est qu'une poire, merci. Montrez-moi plutôt. Pas si vite. Nous nous connaissons à peine. Bah, c'est toi qui voulais plus. Il y a beaucoup de filles comme vous à Vizima. Des tas, mais je suis la plus belle. Je n'en D'accord. doute pas. Ravi de vous voir. Auriez-vous du travail pour un sorceleur? Des hommes importunent mes filles. Occupez-vous d'eux et vous serez récompensés. Très généreusement. Ce n'est pas un travail de sorceleur. Où trouverais-je ces hommes? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Mais c'est pas un travail de sorceleur, mais j'ai besoin d'argent. Où trouverais-je ces hommes? Je connais trois endroits qu'ils fréquentent la nuit. Notez-les sur ma carte. Ravi de vous voir. Hop, on joue au dé, madame.
Madame Carmen, on joue au dé. Nouvelle quête au travail, les filles. Oui. J'ai mal à l'estomac. Deux paires. Le dé qui est vivant. Faut que je relance le 2. La bouteille qui vient d'avoir un sursaut. Allez, un petit 2. Oui! Non, pas un petit 2. Oh, c'était un 3 ou un 1, pardon. Oh là là, je suis fatiguée. Bah oui, bien sûr que j'ai perdu la partie. Quelle merde. Brûlant. Allez, un petit 5 au moins. Merde. La chance n'est pas de mon côté. Putain! Par contre, elle a une chance de cocu. Ravie de vous voir. Hop. Deux paires. Allez, un petit 4 ou un petit 5, s'il te plaît. Putain! Allez, on se déconcentre pas. Ok. Un petit 4 ou un petit 3. Oui. Non. Si, c'est bon. Parfait. Donc encore une que j'ai battue. Alors, elle est où la taverne déjà? Elle est là. Là. Elle est indiquée, la porte de la taverne. Là. Bon, doucement la caméra. Surtout que j'ai un peu la gerbe là, puisque j'ai mal à la tête. Alors, est-ce que mes livres ont suivi? Colmas, serveuse. Munro. Bruce. Gérald, ça fait un bail. Je n'ai pas cru Zoltan quand il m'a dit que vous étiez de retour. C'est moi, Munro. Les réfugiés, la guerre. Vous, Zoltan et moi, on les a aidés. Ça ne vous dit rien? La vie vous a souri. On joue au dé ici. La vie vous a souri? On peut pas se plaindre. J'ai un boulot tranquille. Je suis videur. Tranquille. Les clients règlent leurs problèmes entre eux. C'est un endroit paisible. Les oiseaux ne chient pas dans leur propre nid. On joue au dé ici? Oui, moi je suis professionnel. Une petite partie? On va voir si les rumeurs à votre sujet sont vraies. Quand vous voulez. Tout de suite. D'accord. Allons-y. Brûlant déjà. Oh la vache! Mais c'est quoi cette chance de... Bah non, je garde. J'ai un full. Ça va pas la tête. Oh
Gagné. 200 orins. Waouh. Bon, il est où le tavernier? Mais libre, tavernier. Je suis sûr que ma... Visez-moi ça. Du glaive plein le dos. Une crinière blanche. Vous vous êtes échappé d'un cirque? Non, j'y travaille toujours. Mais on m'a dit que le vôtre vous cherche. Quelle répartie! Qu'est-ce que vous voulez? Bah, mon coffre, en fait, je suis sûr qu'il est... Je suis sûr qu'il a... Ah, voilà. Oh, par contre, je suis full! Merde! Bah, en vrai, les contrats, je peux les enlever. Livre du chat. Élixir âme de Cerbère. D'accord, donc je l'avais pas lu ça. Ça. Je l'ai pas lu. Ça, je l'ai pas lu. Ça, je l'ai 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 lu. Et ça, je l'ai lu. Alors, la question c'est ça, déjà, je vais le virer. Je vais tout déposer. Et je vais partir à la recherche. Je vais partir à la recherche. Ah oui, il y a ça aussi. Faut donner les trucs de salamandre à je sais pas qui, là. Équipement qui prend de la place. Alcool main, allez. Petit sac. Déjà lu. Ok, on ira chercher le reste plus tard. Je vais essayer de trouver quelqu'un où je pourrais vendre mes bouquins. Bien sûr, elle va pas me les prendre. Bonjour, vous voulez manger? Ou vous avez autre chose en tête? Comme quoi? On a un lit très confortable derrière. Alors, ce sera quoi? Elle est très directe, je trouve, la nana. Alors elle, je peux pas lui vendre. Elle a de l'alcool, évidemment. Bon, il faut que je trouve un libraire. Un libraire ou un truc du genre. On me saoule cet écran de merde. J'avais oublié à quel point c'était chiant avec le côté droit de mon écran qui va vers l'autre écran. Du coup, que ça... J'ai du mal à faire tourner la caméra. Alors que je pourrais faire comme ça, ce serait tellement plus simple. Alors, est-ce que je peux avoir accès à la zone marchande? Parce que je sais qu'il y a une zone marchande. Je crois me souvenir qu'il y a une zone... Ah, Zoltan! Sorceleur! Zoltan Chivet, content de te voir. Tu as réussi à entrer dans la cité? Bravo! Il y a plein de travail pour un sorceleur à Vizima. Et toi, comment tu t'y es pris? Ces saletés de non-humains trouvent toujours un moyen de se faufiler chez les humains. Arrête ton numéro. J'ai à te parler. Je t'écoute. Je cherche du travail. Il paraît que des monstres écument l'embarcadère du marais. Tout le monde s'en plaint. À qui devrais-je proposer d'écarter ce danger? Va voir le Varden. Tu le trouveras sur la digue où il supervise les mouvements de marchandises. D'accord. Merci, Zoltan. Je t'écoute. J'ai déjà remporté quelques parties de poker. Félicitations! Tu n'es plus puceau! Tu joues dans la cour des grands!
Où est-ce que je peux trouver les célèbres joueurs de poker de Vizima? Où se trouve tout ce qui est illégal? Près de l'ours poilu. Ça va être intéressant. Ne t'étonne pas si quelqu'un refuse de jouer avec toi. Les gros bonnets ne jouent que contre des professionnels. Et un professionnel, c'est? Un joueur avec au moins 4 victoires contre des professionnels. Réussis ça, et tu pourras t'asseoir à toutes les tables. Il faut que je batte 4 professionnels. Facile. Je t'écoute. Tu connais la banque de Vivaldi? Il ne lui reste plus que le nom de Vivaldi. Comment ça? Nouveau propriétaire. Des humains. Ah, ça explique beaucoup de choses. Ça me parle, vraiment? Vivaldi. Comment ça va? Tu as déjà pensé à te marier, Gérald? Mon métier laisse peu de place au mariage. L'infécondité, le risque permanent, les voyages. Bah, moi, je me pose des questions. Ah oui? Je ne l'ai pas vu depuis un moment et je deviens jaloux. Les naines sont si séduisantes. Ah oui? Si on allait boire un verre, ça ne peut pas faire de mal. Tu te fous de moi? Je n'oserais pas. C'est pas un sujet de plaisanterie. Oh, la gueule de la vieille, mais pousse-toi! Jarre-toi de mon écran! Qu'est-ce qui te chiffonne? Je t'avertis, c'est une question philosophique. Le sens de la vie, c'est ça? Le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre. Effectivement, c'est philosophique. Car lorsque le mal se répand, l'ordre n'y survit pas. Les ténèbres chassent la lumière de la sagesse, la lueur de l'espoir, l'éclat de la chaleur. Et au cœur des ténèbres ne se trouve que sang, crocs et griffes, comme dans les faubourgs. Joliment dit. Mais comme le demanda la jeune Chéro au roi Vridank lors de leur premier rendez-vous, ça sert à quoi, au juste? Le droit des sorceleurs à vivre et à exercer dans ce monde n'est plus aussi clair, car la lutte entre le bien et le mal se joue sur un autre champ de bataille avec de nouvelles règles. Le mal n'est plus synonyme de chaos. Ce n'est plus un pouvoir élémentaire aveugle. Le mal obéit aux règles qui découlent des droits qui lui ont été conférés. Il respecte les traités. C'est le progrès, Gérald. On vit plus longtemps, on a appris à se massacrer par milliers. Le progrès, c'est comme un troupeau de porcs. C'est bien un troupeau de porcs, mais faut pas s'étonner de trouver de la merde. Merde ou pas, un sorceleur tue des monstres. Comment faire mon métier quand les vrais monstres se cachent derrière des idéaux, la foi ou les lois? C'est la relativité de la morale qui est le plus gros paquet de merde. Elle tue plus que la peste et les dragons combinés. On aura toujours besoin de sorceleurs, partout que le troupeau de porcs nous conduise. Ok, super. Tout va bien, effectivement, c'est des traits philosophiques. Merci, Zoltan. Bon, ok. Bon, il est où le quartier? Botte noire. Il est où le quartier des... Dans cette région, on trouve des artisans nains et des artistes elfes. D'accord, mais moi c'est le quartier du commerce que je cherche, Gérald. Pour vendre tes bouquins, parce que tu es une vraie bibliothèque ambulante et que concrètement, ça sert à rien de te balader avec autant de livres. Le serpent d'Esculape. Quel fou a associé la mue du serpent à la médecine? J'en sais rien, moi. T'en poses des drôles de questions, mon gars. J'ai pas toutes les réponses, hein. Commerçant, est-ce que tu m'achèterais mes bouquins, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il vous faut? Où avez-vous trouvé du lait? Il est à la quarantaine et je n'ai vu aucune vache. Non, mais tu arrêtes de te mêler des affaires qui te regardent pas, Gérald, s'il te plaît. Il ne prend pas mes bouquins. Antiquaire. Ah, peut-être l'antiquaire. C'est à quel sujet? Les sages nains sont une espèce... Non, mais mêle-toi vraiment de ce qui te regarde. Alors, je vais lui vendre... Merde. Ah bah oui, mais attendez, il va falloir que je me retape tout en disant j'ai lu, j'ai pas lu, j'ai lu, j'ai pas lu. Thank you.
Il est 22h. Est-ce qu'il y aurait un gentil pinou dans le chat ou ailleurs qui aurait l'amabilité de me dire ce qu'on fait vendredi, s'il vous plaît? Merci. À la place, je vois qu'il y a des soucis d'emote, mais à mon avis, c'est un peu secondaire. Mais c'est bizarre, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je fais un message aux copines. Moi. Je m'excuse. Putain, ça me saoule que ça saute comme ça. Les bouquins. Ah bah ça y est, on a tout vendu. Bon, j'ai un petit peu de place. J'ai un petit peu d'argent. La guerre de Nilfgaard, je l'ai pas lu. Je vais le prendre. Même si je m'en fiche un peu en fait. L'histoire du monde. Allez, allons-y. Les gens des contes de fées. Bah en fait, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Moi, c'est les bouquins de... C'est les bouquins qui... Alors, l'épouvanteur, j'ai déjà lu. Barguest, j'ai déjà lu. Livre des animaux, j'ai déjà lu. Traité scientifique sur les moyens magiques de construire un golem. Recueille d'informations sur le coche. Allez, allons-y. Spectre de midi et de minuit, ça c'est hyper important de le prendre. Ornithosaure, Wyvern, Basilic, Cocatrix, c'est parti. J'ai plus de sous! Loup-garou, Strige, putain j'ai besoin des deux. Je vais lire les deux, hop là. Voilà, hop, voilà. Je vais les prendre dans l'ordre. Je les lis pas, hein. C'est vraiment pour compléter si jamais... donc ça j'ai lu. Donc là je vais tout revendre. Mais comme je vais gagner moins que ce que je viens de payer... Ça craint. Ça craint. Alors, on va se contenter des livres qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les livres des bestioles, épouvanteurs, j'ai déjà lu. Barguest, déjà lu. Animaux, j'ai déjà lu. Ça, c'est l'élixir. Ça, c'est le livre de l'hirondelle, donc c'est bon. Rêve de dragon. Formule du rêve de dragon, un explosif. Ouais, bah on va... Non, on va... formule d'explosif, croix et reine, et celui de l'huile de Krynfried. Je passe mon tour pour le moment. Âme de Cerbère, c'est à nous. Ça on a lu.
Les ghouls, c'est hyper important que je le lise. C'est parti. Fineweed, je vais en avoir besoin. Les minéraux, j'ai besoin de tellement de bouquins. Ah merde. J'ai besoin de tellement de bouquins et j'ai tellement pas de sous. Alors attendez, on va retourner le voir après. Je vais essayer de vendre des trucs à l'autre. Commerçant. Est-ce qu'il... Ah, je peux pas lui vendre grand chose. Oh, ça craint. Ça craint, plante inconnue, mais je m'en tape. Monsieur le jardinier, auriez-vous regardez la... comme ça pousse. Est-ce que vous m'achèteriez des plantes? Oui. De la myrte, des pétales de myrte. Moisissure verte, 3. Je vais pas aller bien loin avec ça. Toujours en rade. Tut. En fait, ce qu'il faudrait, c'est aller... Toujours pas, Sarah. C'est aller... tabasser du monstre un petit peu. Moi aussi, je suis un sec. Tu trouveras peut-être quelqu'un dans ce poilu. Mais, disons que plus vite, il y a des ratus partout. Oui, c'est l'ours poilu, on a compris. On va vendre de la bouffe, hein, tant pis. C'est pas vrai. Quoi qu'il arrive. Oui, bah ça va, on va se calmer. Je veux juste récupérer... Ah oui, il y a ça aussi, les broches de salamandre. Il y a des gens qui les vendent, qui les achètent. Poisson vidé. Sandwich au jambon. Poulet. Voilà, on va se contenter de ça pour le moment. Là, Coleman, c'est pas lui qui achète des... Mais regardez qui v'là. Qui êtes-vous? On m'appelle Coleman. Et dans quoi êtes-vous? Je vends des trucs, je voyage à gauche, à droite. Où, par exemple? Dans les marais. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Simple curiosité. Tu veux acheter un truc? J'aimerais bien te vendre des trucs, en fait. Vous avez déjà vu l'emblème de la salamandre? Fous-moi la paix. Mais... Pars-toi. Oh non, je l'ai fâché. Non. Pars-toi. Oh non. Oh merde, je l'ai fâché. Oh non. Et puis je suis sûre que c'est à lui qu'on pouvait vendre les... Oh, c'est le soir à la taverne, donc ce qui est peut-être pas lui. Oh, j'ai mal partout, punaise. Parce que
excusez-moi. Comme tout ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Pardon, monsieur. J'avais rien vu de plus bizarre que ce. Bon, il me faut au moins 200 orins. Qu'est-ce qu'il vous faut? On va lui vendre de la bouffe. Ça vaut rien quoi. Je suis obligée de faire une pause, je m'excuse. En ce moment, je suis un peu malade, hein, donc c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. J'arrive dans quelques instants. À tout de suite. J'en profite pour prendre mes médicaments.
C'est terrible. Je vais y arriver. Bon, sans réponse de la part des copinous. Ça, il est déjà 25. Je vais trancher. D'accord. Alors, je vous fais la petite annonce. Je vais vous faire... l'annonce et puis je vous ferai ça tout à l'heure aussi en annonce officielle. Vendredi, donc, pour le jeu mystère, nous partirons sur du BioShock. Je vais essayer de rattraper toute la partie que j'ai perdue. Hop, je prends mes cachets, j'arrive. Donc oui, les copinous se sont pas décidés pour cette semaine. Donc officiellement, je vous annonce que le jeu de cette semaine pour vendredi, ça sera BioShock. J'ai perdu, pour ceux qui étaient là, j'ai perdu 1h30 de progression. Donc ça sera le moment idéal. Ça sera le moment idéal pour rattraper tout ça. J'arrive. Bonjour, Little Pépin. Ah, j'ai un chat qui hurle à la mort encore. Comment ça va? Bah, ça va. J'ai juste hyper mal au crâne. Moi, ce soir, c'est un truc de dingue. Mais ça va. Ça va. Je vais m'en sortir. Hop. Et je veux juste mettre un truc là. J'arrive. Pied. Coller. Mais enfin, c'est fille. Ça se dit pépéné. Oui, je me suis doutée. Je me posais la question, justement. Aujourd'hui on est sur The Witcher. Je fais juste vite fait mon petit truc là, mon petit topo. Hop. Merde, je fais des conneries. Et en fait j'étais dans l'attente que les Pinou VIP se manifestent pour me dire à quoi on jouait vendredi surtout. Et comme j'avais aucune nouvelle, j'ai failli trancher. Et finalement, bah non, c'est bon, c'est vu. Prends ton temps. Oui, bah oui, je prends mon temps. C'est un truc que je pourrais faire après, mais au moins comme ça, c'est fait. Vu que je sais. Hop, sélectionner, coller. Je fais l'annonce tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop, voilà. J'en ai pour pas très longtemps. Enregistré sous. Vendredi, voilà. Je ferme tout ça et je vais pouvoir publier. Hop. Ici. Voilà. Bon, j'ai pas fait d'alerte, mais c'est pas grave. Bon, allez.
C'est normal qu'il y a marqué en pause ou c'est juste moi qui bug? Non, non, c'est parce qu'on était en pause. On était en pause. Hop. Ah, ça y est. Tu fais ton truc. Oui, j'étais en train de finir. J'ai juste fait... J'ai juste fait le... Comment? Le rappel de, pour vendredi. 400 euros, hein. Je vais pas avoir assez. Graisse de bœuf. Allez. Vendu. Oh, mais même ça, ça va pas suffire. Donc on est sur... Eh bah coucou. Alors, j'en suis où dans The Witcher? Eh bah j'en suis... On est arrivé à Vilima. C'est à quel sujet? Je t'en pose des questions. Je t'en pose des questions, monsieur le nain. Tes prix sont beaucoup trop chers. J'en suis... donc on vient de rentrer dans Vilima. J'ai toutes les quêtes du sorceleur à faire. D'ailleurs qu'il faut que je jette du coup. Et je veux ce putain de livre qui donne des informations sur les Algoules, les décharneurs et les dévoreurs. Parce que c'est le seul bouquin qui me manque. C'est le seul bouquin qui me manque. Après les plantes, on verra plus tard. Mais c'est le seul bouquin qui me manque pour les quêtes. Et c'est un peu chiant. Donc ça j'ai lu, 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 ça j'ai lu aussi. Ça j'ai lu. Et en fait ouais, il me manque que ce bouquin là en fait avec les algoules. Et c'est un peu chiant. Bah il est cher oui, j'ai que 400 orins, il est à 500. Donc c'est pour ça que je suis un peu emmerdée. Donc il faudrait que je trouve 600 orins, ou alors il faudrait que je joue au dé et que la chance me sourit. Zoltan, tu veux pas jouer un peu de frites? Je t'écoute. Tu veux bien jouer au dé avec moi, Zoltan, s'il te plaît? Il faudrait que je récupère 60 orins, quoi. Et là, j'ai vraiment pas de bol, quoi. Je me disais parce que le son a cut, mais tu t'es juste mouché. Oui. Oui, quand... putain, j'ai rien du tout. Quand je me mouche, je cut parce que... bah, je vous épargne vos petites oreilles. Putain, un brûlant de 6 en plus. Oh. Merci de penser à ma santé. D'accord, ok. Il me reste plus que 20 points de chaîne. Économise, économise. Mordu. Je gagnerai jamais 200 orins. Ah, brûlant. Je gagnerai jamais 200 orins. Enfin, 100 orins, là, je vais pas réussir. C'est sûr. Je suis à combien, là? 404. Il me manque 20 orins, quoi. Zoltan, non! Jouons au dé, Zoltan! S'il te plaît, Zoltan! J'ai besoin d'argent, Zoltan! Oh, mais non!
Allez, je tente une folie. Je tente une dingue. Non, bah dommage. Bah oui, évidemment. On va aller jouer contre quelqu'un d'autre. Il a une chance de cocu, le loulou. Hein. Berberis. Regardez comme ça pousse. Oui, bah ça va, on s'en fout en fait. C'était dangereux ce cri. Des fois, j'ai mes voisins qui pètent des plombs, hein, donc c'est pour ça que je demande. J'aime vraiment beaucoup la musique quand on joue au dé. Oh putain. Entre les voisins qui sont fous et qui gueulent et le chat qui hurle à la mort depuis tout à l'heure. C'est peut-être tes voisins. Oui, ou le chat qui hurle. Mais les voisins, ils sont toujours à... Des fois, ils me font flipper. Je suis pas une emmerdeuse, hein, mais... Je suis pas une emmerdeuse, mais alors quand ils m'ont dit « Oui, l'ancien propriétaire avant, et ben il faisait... » Putain, j'ai pas de chance. Hein. L'ancien propriétaire, et ben il faisait... Il nous a même balancé les flics, enfin il nous a même balancé aux flics parce que soi-disant que les gamins ils faisaient trop de bruit, que les chiens ils aboyaient, que voilà, mais qu'est-ce qu'on y peut nous que les chiens ils aboient et les petits ils doivent bien jouer. Ouais, enfin des fois c'est vrai que j'aimerais bien les égorger en fait. Pas les chiens parce que j'aime bien les animaux, mais alors les gamins... ils font beaucoup de trop de bruit. Une longue histoire, ouais c'est exactement ça. Quand il avait commencé à me dire oui, alors l'ancien propriétaire. Ah oui, alors je suis pas l'ancien propriétaire. Déjà d'une. Et de deux, attendez, je viens d'arriver. Attendez, je vais juger de comment j'évalue votre degré de chienlise. Et effectivement, ils sont chiants. Entre les chiens qui gueulent à 4h du mat. Oh putain. C'est pas bon ça. Les chiens qui gueulent à 4h du mat parce qu'ils ont vu un hérisson ou que sais-je. Ah c'est bon, ça passe. Eux qui se mettent à brailler comme des rats morts contre leur chien en leur disant ferme et tout. Donc je dis putain mais fermez-vous vos gueules, laissez-nous dormir putain. Les gamins qui... il fait quoi lui. Les gamins qui gueulent dans la journée. Alors oui, il faut bien qu'ils jouent, hein, mais à un moment donné, il y a des limites. Hein, puis il y a des limites à la connerie aussi. Donc, oui, je sais, j'ai perdu. Mais du coup, ouais, le bon voisinage, quoi. Putain, j'ai rien. Courage, merci. T'as combien d'argent? J'ai 442, là, apparemment. Et je suis, mais mauvaise. Putain, c'est quoi ce jeu de merde, là? Merde! Faut aller sélectionner les dés. Oh, ça me saoule. J'ai toujours l'impression qu'il faut sélectionner les dés qu'il faut pas, qu'on veut pas lancer. Bon, tant pis. J'ai 442 orins. Il m'en manque 60. On a déjà fait une journée où le let's play c'était que jouer au dé, c'était très intéressant. Mais là franchement ça commence un chouïa à me saouler. Je pourrais éventuellement leur casser la gueule aux autres là. Comment allez-vous Gérald? Bah écoute ça va et toi? Tu joues un peu? J'ai pas de bol là. C'est pas bon hein, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ah, il me demande 50, le salaud. Le 6, le 1, le 2.
Bon, bah, j'ai plus qu'à aller me prostituer. Hein. Ah. Oh, mais c'est quoi ce jet de merde, Gérald? Tu m'as déjà habitué à mieux que ça, putain. Soule. Je sens qu'il va falloir que j'aille vendre mon corps. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Enfin. Le PC qui se rebelle. Allez. La prostitution, c'est mal. Oui. Donc, c'est pas très légal. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh, j'ai ça. C'est bugué du cul, quoi. Est-ce qu'il y a une affaire qu'on peut faire dès maintenant? Ça, oui. Je dois me rendre de nuit dans trois des pires coups de gorge et dérouiller quelques bandits. Ben, on va faire ça. Ça se trouve, elle va me donner pas mal de fric, la dame. Et comme c'est des hommes, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin... Ça se tape dessus. Violoniste, joueur de lutte. Comme ce sont des hommes, j'ai pas besoin non plus de... Je peux pas attendre près du feu là. Il doit bien y avoir un feu dehors. Comme ce sont des humains, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin d'avoir de bouquin particulier. Par contre, faut pas que j'oublie le bouquin quoi. T'as la rêve d'être posté dans une maison close, ça rapporte combien? 4000 euros par jour? Waouh! Je prends mon envolée, j'ai trouvé ma voie. Non, ça me parle pas. Alors peut-être que j'ai déjà entendu, hein, mais ça me parle pas. J'ai mal à l'estomac. Faut que je prenne les petits comprimés. Faut que je retourne à la pharmacie, moi. Ça va dans mon sac à main. 4000 euros par jour, la vache. T'imagines? Oh bah c'est clair, je serais bien riche. Alors moi je sais pas, j'aurais quand même un peu de dignité. Oh mais merde, caméra de merde. J'en ai marre. Je resterai un mois, c'est déjà bien. Ouais. Messager. Ah bah voilà. Bienvenue voyageur. Salut. Il paraît que vous achetez des bijoux. Et si c'est le cas? J'en ai. Dites-moi qui achète des écussons de la salamandre ou votre mère ne vous reconnaîtra plus. Sans orin, si vous me dites qui achète des écussons de la salamandre... Non mais t'as déjà plus de sous. Vous prenez un verre. La pauvre caméra... Ouais mais elle est aux fraises la caméra. Ça marche. Sans orin, si vous me dites qui achète des écussons de la salamandre. Laissez-moi. Oh non. Laissez-moi. Oh, fallait le bourrer. Oh putain, ils sont chiants les gens. On peut rien leur demander. Bon alors, c'est où que les prostituées elles se font taper dessus? Entrepôt. Ah oui, il y a ça aussi. Qui est en danger? Allez, c'est parti. Allons sauver de la demoiselle en détresse. Puisque Carmen, elle nous paiera bien. Leader, porte de la maison du boucanier. Ok. «
putain, je me perdais déjà dans la petite bourgade du début. Alors là, c'est la ville et encore, j'ai pas accès à tout encore et je me perds déjà, quoi. Bonjour! Re... Dégage de là. Non. Laissez cette femme en paix. T'as des vapeurs pour une pute? Avant de partir, excusez-vous pour votre comportement grossier. T'es malade, le vieux? Dégage avant que je te trucide. Quand vous vous serez excusé, allez voir le capitaine Vincent. Dites-lui que vous êtes un criminel et un salopard. Dégaine, vagabond. J'ai jamais tué un type sans défense. C'était votre dernière chance. Oh, chopez-le. Doucement. Doucement. Ça marche, bienvenue sur le Discord. Ah, oh, des broches de la salamande, c'est cool ça. Arrête. Courbache. C'est quoi ça, courbache? Ah, oh, des orins, trop bien. Courbache. Je sais pas ce que c'est. Courbache. Donc là, c'est bon. On a sauvé la demoiselle en détresse. Oh, mais Gérald, t'as des vapeurs pour une pute? Gérald? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur Gérald? Tu joues à Apex? À quoi? Ah merde, y'a un mur entre nous deux! Putain! Mais saute-le! Gérald, il est aussi. Il est pas loin de ton genou! Oh! Non, il y a un mur! Alors on passe pas! Apex Legends. Ah, je connais pas. Gérald, t'as besoin de vapeur. Dégage! J'ai des affaires à régler. Dégage ou je t'égorge comme un chien! Essayez pour voir. Attrapez-le! Il y en a beaucoup qui disent ça en attendant. Dégage ou je t'égorge comme un chien. Oui. Essaye. Merde. Elle a intérêt à bien payer la nana. C'est quoi ça? Friandise? Ah bah super. Il portait des bonbons le mec. Et la troisième, elle est là-bas. Mais j'ai pas accès encore là. Je crois pas. Oh là, j'étais haut le cœur. Tu joues à Gartic Phone, ça arrive. Avec les copines. Là, elle est là. Heureusement qu'il y a le nom à travers les feuilles d'arbres. Ça arrive, on a déjà fait des parties de Gartic Phone. Toi, là, dégage! Pourquoi tant d'agressivité? Des guerpies tant que tu le peux encore. J'aime beaucoup la couleur de cheveux de la nana. Alors tu la vas nana. Crever. Bah non, en fait, je vais pas crever. Mais cassez-vous. Mais le pire, c'est qu'ils savent... Enfin, ils doivent se douter... que je vais pas me laisser faire et que je vais les trucider en fait, parce que concrètement je suis un sorceleur, donc je tue bien pire que ces petits trucs là qu'on appelle humains. Des vapeurs, ouais. Je sais pas pourquoi, c'est quoi ça, noix et fruits secs? Mais je m'en tape de vos noix et de vos fruits secs. Je veux des orins s'il vous plaît. Donc ça c'est bon, c'est fait. Il faut que je retourne voir Carmen. Ok. Les algoules, on n'a pas le livre. Contrat sur les chiens. Ah oui, c'est vrai, on doit tuer des chiens. C'est vrai. On doit tuer des chiens. C'est vrai. T'es le perso cheat dans les mangas. J'ai combien d'argent? 422. T'inquiète, je surveille.
Par contre, faut que je tue des chiens. Bon bah, so long. Désolé mon petit gars, mais... Je suis désolée, pardon. Toi, il y a 15 minutes, je ne tuerai pas les chiens. Ah bon, j'ai dit ça? Non, par contre, il y a quelques heures, j'ai dit, bah moi, j'irai pas sur Animal Crossing si c'est pour dilapider une île. Toi, maintenant, il faut que j'aille tuer les chiens. Oui, mais c'est ça. J'ai pas envie de tuer les chiens, en fait, mais on me laisse pas trop le choix. Si je veux me faire du fric, il faut que je tue des chiens. Ah, celui des voisins. Ah oui, celui des voisins. Oui, oui. Non, non, moi, je suis incapable de faire du mal à une bête. J'ai deux chats à lapin, dont un chat que j'ai sauvé d'une possible famille qui était malveillante. Il n'y a pas d'autres chiens. Là-bas, il y en a. Je les vois. Il y en a deux, même. Les chats, c'est trop bien. Oui, alors j'en ai un. Il est âgé, donc je vous le montrerai pas. Je vous le montrerai pas parce que là, il dort et que je vais le laisser tranquille. Par contre, le petit, des fois, il vient. J'adore, je tue des chiens devant les gardes, quoi. Je vous promets, je fais rien de mal. Je vous promets, tout va bien. Oui, bonjour. Bonjour. On ne passe pas. D'accord. Et pourquoi? Le capitaine a dit de vous avoir à l'œil. Pas de vous laisser passer. Compris? D'accord. Ok. Adieu. Ok. Pas de soucis. Tant que vous m'arrêtez pas pour avoir tué des chiens, en fait. Les chiens, ok, mais pas les chats. Bah, moi j'aime bien, moi de toute façon j'aime bien toutes les petites bêtes, je veux avoir un chien plus tard. Mais donc j'ai deux chats, donc un vieux matou, mes photos sont sur Discord il y a des photos de mon vieux matou. Je vais baisser ça parce que ça me fait mal au crâne. Il y a des photos de mon vieux matou que je montrerai pas à la caméra parce que beaucoup trop compliqué, en plus il est en surpoids. Le manipuler c'est pas forcément hyper facile pour lui, je risque de lui faire mal. Par contre le petit de temps en temps il vient. De temps en temps, là ça fait 2-3 lives qu'il vient pas. Mais des fois il vient et je peux vous le montrer en fait. Je peux vous le montrer et il aime bien faire star donc voilà. Pour votre santé, mange 5 tablettes de chocolat par jour. Si seulement, non je suis au régime. Dit la nana qui a mangé comme 4 ce soir parce qu'elle avait pas, elle avait tellement mal au crâne qu'elle a pensé que ça l'aiderait à passer, mais pas du tout. 6 pots de suif, j'en suis où là avec mes pots de suif là? J'en ai que 3, faut que je retrouve 3 chiens. Faut que je trouve 3 chiens supplémentaires. C'est l'ombre de quoi ça? Non, je suis au régime. Gargouille. J'essaye de faire une BD. Ah, bah c'est bien, c'est un bon projet, ça. J'ai commencé cet après-midi. Bah écoute, il y a un salon, les Pinous Créatifs dans le Discord. Si tu veux, tu peux poster là-bas. Petit. On a plein de pilons créatifs, donc du coup, bah n'hésite pas. Il y a encore un chien ici. Il y a deux chiens là, bon bah parfait. Petit. Pourquoi? Petit. Pauvre bête. Allez, un petit dernier pour la route. Bideur, chien, pauvresse. P
Petit. Bon, voilà. Donc, on va pouvoir parler à Carmen et à l'autre qui voulait des pots de suif. C'est le fossoyeur, d'accord. Et les autres, on va attendre un petit peu parce que... Parce qu'on n'a pas le bouquin, quoi. Bon. Et si on passait la nuit? Ah, mais non, on peut aller à l'entrepôt aussi. C'est quoi ça? Feu de camp. Non, non, je vais aller à l'entrepôt d'abord. Il m'a dit de pas venir, mais... Je vais sauvegarder le bouquin. Seront disparus. Mais mieux vaut un qu'aucun. Allons-y. Bonjour. Je suis pas censée être là. Qui est-ce? Ce n'était pas notre accord. C'est juste un sorceleur. Vous savez que les sorceleurs sont des golems dénués de volonté propre qui obéissent au doigt et à l'œil sans se plaindre. N'est-ce pas, Gérald? Mais enfin, mais bien sûr! Mais enfin, mais c'est clair, je suis quelqu'un qui n'a aucune volonté propre. On me dit de tuer, je tue. On me dit il faut tuer 6 chiens, bah je tue 6 chiens, c'est vrai. Quelle plaie! Je ne suis pas votre outil, monsieur. À cette salade, je vous prends la main dans le sac à traiter avec la salamandre. Mais non, mais il est gentil, lui. Oui. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Et puis, vous n'êtes pas venu seul. Alors, notre accord. Je ne lui fais pas confiance. À ce qu'on dit, c'est un enfoiré d'assassin qui a tué une dizaine des nôtres. Bah, voyons. Nous n'allons pas jouer à qui a tué qui. Oui, puis c'était de la légitime défense. Intéressons-nous à l'avenir. Votre avenir est compromis si Javed apprend que vous l'avez trahi. Et croyez-moi, il l'apprendra vite si vous ne vous mettez pas à table. Tu ne m'effraies pas avec tes menaces en l'air. Assez. Où est Javed? On peut le tuer maintenant. Où sont les secrets des sorceleurs? Répondez avant que je vous donne à bouffer aux rats. Vincent, arrête-le! Les ratus! Je ne sais rien. Mangez! J'étais l'assistant du comptable de la salamandre. Javed a commencé à se méfier de moi. Je ne sais ni où il est, ni ce qu'il compte faire. Le professeur? Je ne sais pas, il est parti en mission. Connerie, je vais vous en donner des raisons de parler. Tu m'as promis une protection contre mon témoignage. Sur la tombe de ma mère, je sais rien. Arrête-le, t'es de la police. Ouais, c'est mais un meurtre, tu vas pas rester là à le regarder. Non, bah, si. Je m'en vais. Et puis, je sais que vous avez participé au meurtre de la famille de Raymond. Abrégé, sorceleur. Ah, super, merci. Ah, mais ils sont combien? Mais ça va me laisser au milieu de tout ça. Mais enfin, ils sont beaucoup trop nombreux de ça. Je vais te tuer. Tue-le. Non, du pain, je m'en fous, en vrai. Reste, masse lourde. Hop. Des bisous, une bonne nuit. Et puis à très vite, j'espère. Faut pas hésiter à regarder sur le Discord, hein. Il y a les programmations, tout ça. Faut regarder de temps en temps, je mets des trucs intéressants. Ça arrive. Putain, je suis en train de cliquer sur les restes là, il se met à l'autre bout de la pièce. Bonne nuit. A plus. Putain, mais c'est pas... C'est bugué du cul, hein. Reste, massue lourde. Il y a une penderie. Il y a des sous dedans. Les sous, ça monte pas beaucoup. H.
Ok. Bon. Fossoyeur. Je vais le trouver de nuit, le fossoyeur, ou pas? Parce qu'à la limite... Bonjour les bandits, faites comme si j'étais pas là. Parce qu'à la limite, j'irai bien maintenant. Bon, de toute façon, Carmen est tout le bordel, là, va falloir... Pas le chien qui me grogne, mais c'est bon, j'ai assez tué des semblables. Chevalier de l'ordre, serviteur de l'ordre... Oh, pardon! Oh, des ghouls! Des ghouls et des fantômes! Sans deck. Bah, en fait, utilise ton glaive d'argent, Gérald, ça y sera plus facile. Bonjour, monsieur le fantôme. Ma femme est une quête. Ok. C'est qui ta femme? Le cimetière. Du travail à revendre pour un sorceleur. Ma femme est une catin. D'accord. Ok. Où est mon corps? Ah bah ça, je ne sais pas. Je veux pas te le dire. Je sais juste qu'il y avait trois... Bon bah il faut revenir le jour je pense. Il y avait trois ghouls, c'est tout ce que je peux te dire. Ça que j'ai pas fait, faut que je regarde parce que je crois que Chouquette elle peut changer de couleur là. Elle est arrivée à un niveau où elle peut changer de couleur. Ok. Alors, Carmen. Merci pour votre aide. Ils nous laisseront en paix à présent. Vous êtes seul? Vous êtes fou? Non, des villageois veillent sur nous. Mais ils n'arrivaient pas à mater ces monstres. Je vois. Que préférez-vous? J'ai 200 au Rhin, à moins que vous ne vouliez être payé autrement. Non, non, je vais prendre l'or. J'ai besoin d'argent. Je vais prendre l'or. Comme vous voudrez. 200 au Rhin. Merci. J'ai besoin Nous de cet argent. Nous sommes reconnaissantes. Les catins ont de l'honneur, vous savez. Ça va impressionner les filles. Elles vous feront un bon prix. Ça marche, merci. J'ai même regagné une réduction. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, en fait? Ah, j'ai un niveau supplémentaire, trop bien. Putain, la ville est morte la nuit, mais alors il y a du monde la journée. Nous donnons nos vies à l'ordre. Si tu le dis. Ce sera quoi ? Pain ou chêne? Une crypte? Voyons voir. 5 brasses de large. Il est en train de me... Non mais... De quoi parlez-vous? Je ne veux pas de cercueil, je ne compte pas mourir prochainement. Je ne veux pas de cercueil. Je ne compte pas mourir prochainement. Ça se tient. On pourrait peut-être faire des affaires. Bah oui. Je suis là. Quelles pour Quelles affaires? Une association. Vu les glaives dans votre dos... Vous coupez sûrement une ou deux têtes à l'occasion. Dès que vous trucidez quelqu'un, vous me prévenez.
je place mon cercueil et je vous file une commission. Ça suffit. Je viens pour autre chose. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Pourquoi le cimetière est fermé à clé ? Pourquoi le cimetière est-il fermé à clé ? Parce que les morts ne se tiennent pas tranquilles. N'ayez pas peur, ils sortent pas en plein jour. Mais il faudrait quand même qu'on s'occupe d'eux. Quelqu'un devrait offrir une récompense. Mais tout le monde s'en fout. Bah, en même temps, ils étaient même à l'extérieur alors que... alors que le cimetière est fermé, donc... Que pouvez-vous me dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je suis ici pour l'annonce. Oui ? J'ai 6 pots de saindoux de chien. J'utilise le saindoux sur le bois des cercueils. Voici le prix convenu. Adieu. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Pourquoi le cimetière est-il fait ? Parce que n'ayez... Je m'en occuperai quand vous accepterez de me payer. En attendant, au revoir. Croyez que c'est facile d'apaiser un cadavre ? Faites ce que vous voulez. Le capitaine de la garde vous récompensera peut-être. Ça ne coûte rien d'essayer. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Ah, donc il va... Là, ça y est, il va m'avoir ouvert le cimetière, c'est ça ? Non, c'est toujours fermé. Bon, j'ai des sous, maintenant. J'ai assez pour aller me chercher le bouquin. Et on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire les contrats pour le sorceleur. Faut que j'aille voir Vincent aussi. Siegfried, on s'en fout. Ça m'arrangerait aussi d'avoir les plantes, mais je vais pas avoir assez de sous en fait. C'est à quel sujet ? Ça c'est lui, c'est celui-là qu'il me faut là. Ça c'est lui. Les plantes qui poussent dans les marais. J'en ai besoin de ce bouquin. Il permet de les reconnaître et d'en tirer les ingrédients alchimiques. En fait, il me faut les herbiers aussi. Là, il me faudrait 1002. Il faudrait 1005. Là, 300, j'ai même pas les moyens. Voilà. Et donc là, il me manque ces bouquins là. Il me manque 3 bouquins à 400 balles. Et j'ai que 100 balles. Les calculs sont pas bons. Maison de Chani. Ah oui. Herboriste. Plantes, onguents, fleurs pour les dames. Salutations. Vous êtes bien pâle. J'ai des remèdes pour vous remettre sur pied. Mes prix sont raisonnables. C'est la couleur naturelle de ma peau. Merci. Elle me prend mes plantes ou pas ? Ouais, mais elle me les prend rien du tout. Dingue ça. Chani ! Bonjour, madame. Bienvenue. Mettez-vous à l'aise. Bonjour. Je crois qu'elle est un peu... De mémoire, elle est un peu lunatique, la vieille. Des fois, elle nous envoie bouler. Et des fois,
Elle est là. Bonjour. C'est quoi ça? Liqueur de grand-mère. La liqueur de grand-mère doit donner un sacré coup de fouet. D'accord, on s'en branle en fait. En fait, je pourrais ramasser et revendre. Hein. Ça me ferait du fric. Ça me ferait du fric gratos. Mais. C'est quoi ça? Journal de grand-mère. Le journal est fermé par un ruban rose sur la couverture des. Oh! Une inscription de la main d'un enfant dit: si vous lisez une seule page, un monstre vous dévorera. Formidable, on est content. Pourquoi j'ai pris ça? Bienvenue. Ah oui, elle est chiante. Êtes-vous à l'aise? Ça y est, je me souviens. Elle est chiante. Ça y est, je me souviens. Elle est pénible, elle est un peu... Elle a un peu... Elle a des petits soucis cognitifs. Putain, grand-mère! Bienvenue, mettez-vous à l'aise. Elle a des petits soucis cognitifs. Oh, c'est pas vrai! C'est une... Non mais c'est une blague! Bienvenue, mettez-vous à l'aise. Oui! Laisse-moi aller à l'étage, s'il te plaît, mamie. Laisse-moi vivre, mamie, s'il te plaît. Comment ça, je peux pas fouiller la commode? Anneaux d'argent. Ah oui, il y a ça aussi que je peux revendre. Les anneaux. Chevalière du feu éternel. Anneaux d'argent et de rubis. Anneaux d'argent. J'avais des... Ben oui, j'avais des anneaux aussi. Anneaux d'argent et de rubis. Anneaux d'argent. Je peux les vendre, ça, normalement. Pour la chevalière, je crois qu'il faut qu'on la garde quand même. Je crois. Escalier qui descend. Merci. Merci pour la précision. Et je peux pas aller encore par là, je crois. Verrouillé. Mon mari veut se faire engager comme garde. Ce vieil imbécile. Mais du coup, je peux peut-être vendre ça à l'antiquaire. Les anneaux. C'est à quel sujet? Non, il les prend pas. Tous les mêmes, c'est non humain. Les elfes, c'est les pires. Je les déteste depuis que ma vie. J'irai bien à la banque Vivaldi. Vite fait. Je suis en train de me perdre dans les rues là. Ah, c'est la maison de Kalstein. Ok. Porte de la maison de Vivaldi. Oh là! Ah oui, c'est... Bonjour, monsieur. Comment? Salutations, nain. Premier mot prononcé et déjà de la ségrégation raciale. Comment dois-je vous appeler? Ah, les humains ont tout, et nous, on n'a rien. Je ne suis pas humain. Non. Et vous êtes quoi, alors? Attends, un sorceleur, un mutant. Toutes mes excuses. Je suis Golan Vivaldi. Mon cousin, Vim Vivaldi, a un jour rencontré un sorceleur spécialisé en recouvrement de dettes. Je m'appelle Geralt, et je ne recouvre pas les dettes. Qu'est-ce qui vous amène? Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. J'espère que vous récupérerez vos biens. Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Et vous me soupçonnez parce que je suis un nain? Non. Désolé de vous avoir soupçonné, je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. J'ai plusieurs succès et j'ai plusieurs suspects. Et ce ne sont pas tous des nains. Désolé de vous avoir soupçonné. Je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. C'est gentil.
d'être aussi franc envers un nain. Pas bah, ouais, pas J'ai des renseignements sur Javed qui pourraient servir. Parfois, un petit détail change tout. Je suis tombé sur son nom dans de vieux dossiers. Il a réglé ses frais de scolarité de l'école de magiciens de Banard. Mais il a été exclu après s'être intéressé de trop près à la magie noire. Il a cessé de régler ses frais de scolarité. Et la banque n'a gardé aucune trace de lui par la suite. Vous affrontez un renégat. Qui plus est, un renégat dangereux. Formidable. Je dirais à Vivaldi que j'ai trouvé la preuve de son innocence. J'ai gagné la reconnaissance de Vivaldi. En même temps, j'ai rien fait. Tu joues au dé, monsieur Vivaldi, qu'est-ce ou pas vous amène? Ou tu joues que du violon? Au revoir. Bah non, il joue pas. Bah non, en fait, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ça va pas? Taré, SPC. Taré. Alors. Bon. Je vais aller voir Vincent. Parce que... Bah, j'aimerais bien qu'on ouvre le cimetière, en fait. Pour gagner un petit peu de sous et gagner... Enfin, acheter les bouquins qui me manquent. Comment ça s'est passé à l'entrepôt après mon départ? Vite. Bon, j'admets que j'espérais plus, mais ça fait toujours quelques bandits en moins. C'est la dernière fois que vous me manipulez. Je n'ai pas la vocation de vengeur. Vous n'avez guère le choix, croyez-moi. Ça n'arrivera plus. Vous avez ma parole. J'imagine que vous allez continuer votre enquête. Je n'ai pas le choix. Officiellement, je ne peux pas vous aider. Mais j'espère que vous me direz ce que vous apprendrez. Tu crois me souvenir que ce personnage-là, il a une particularité? Vous vous chargez aussi des monstres? Je n'aime pas y risquer mes hommes. Je récompense ceux qui en tuent. Il suffit de m'apporter une preuve. Quel monstre rapporte le plus? Pour l'instant, j'ai reçu des fonds pour le Cocatrix dans les égouts. Et une espèce de plante sanguinaire qui a tué des gens dans les marais. Bon, le Cocatrix, on lui a déjà donné. Vous avez tué 3 monstres et apporté les preuves. Oui. Voici une récompense spéciale. Cette pierre runique. Faites-en bon usage. La cité offrira bientôt d'autres récompenses. Je voudrais parler de la salamandre. D'accord. Quelqu'un les a informés de mon contrat sur le Cocatrix. Où voulez-vous en venir? Je parie que le professeur, j'ai plusieurs pistes qui vous accusent pour la plupart. Je parie que le professeur... Je n'ai pas le temps. Fin de la conversation. Quoi? Vous avez laissé le professeur sortir de prison. Quelqu'un a payé sa caution. Je comprends. Pas de preuves tangibles pour l'instant. J'attends de voir. Voilà ce qui se passe quand les amateurs veulent jouer les professionnels. Si vous trouvez une piste valable, pensez à moi. Je vous donnerai des conseils. D'accord. Oui, une Svarog, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'a replié comme merde là? Octroie temporairement des pouvoirs magiques à la lame, augmente de 40% les chances de toucher l'adversaire et d'infliger des dégâts. Oh, mais c'est temporaire ce nul. Bon, en attendant, ça m'a toujours pas débloqué de cimetière. C'est mon nez qui me démange.
Alors, bonjour, madame... Oh, Shani! Geralt, tu as réussi à sortir de prison? Pas sans mal. J'ai entendu parler de tes exploits. Je vois que tu travailles pour l'hôpital. Je lutte contre la peste. Je n'ai pas le temps de bavarder. Quand pourrions-nous discuter? J'ai une chambre dans le nord de la cité. Viens après les heures de travail. D'accord. Okay. Fais vite, je dois reprendre le travail. Je peux me rendre utile? Tes talents ne servent à rien ici. Eh bien... Nous n'avons pas encore de traitement contre la peste, mais... Tu connais Serusti? Ça ne me dit rien. Avant que la peste l'emporte, il avait découvert que certains extraits de plantes retardent la progression de la maladie. Il te faut ces plantes? Oui, et la plus efficace est la Kélidouane. Malheureusement, on ne la trouve qu'en terrain marécageux. Je ferai au mieux. Chaque fleur compte. Rapporte-en au moins 5 pouces. D'accord. J'ai déjà de la Kélidouane sur moi? Ah bon? Voici la Kélidouane. Formidable. Tu as toute ma reconnaissance. Je préférerais une leçon sur l'anatomie des monstres. Bah non. C'est méchant de dire ça. Tu as toute ma reconnaissance. Bah je préférerais autre chose en fait. Ce n'était rien. S'il te faut quelque chose, n'hésite pas. Il faut que je te parle. Ça peut attendre? Eh bien... Passe chez moi. C'est mieux pour les affaires personnelles. À bientôt. À bientôt. Oh, cette voix. À bientôt. Cette blessure supplie. À bientôt, Shani. On va tous mourir. Bénis cette demeure et donne-nous la force d'aider ces gens dans leur détresse. Hôtel de Méritel. Ouais. On va tous mourir. Oui, tout à fait. Tous un jour, en tout cas. On va tous mourir. Il sait dire que ça l'est. On va tous mourir. À l'aide. Oui, nous allons tous mourir un jour. On va tous mourir. Le feu éternel éclaire ma route. Bien sûr. J'aurais bien aimé avoir accès au cimetière, en fait. Service, service. Alors, est-ce qu'on a les algoules? On a les algoules. Kalstein offre une récompense pour la moelle de 3 argoules. Pour accomplir cette quête, vous devez avoir débloqué un. Je dois récupérer de la moelle de 3 algoules pour Kalstein. Ouais, mais si j'ai pas accès aux cryptes, je fais quoi? Les loups. Je dois me procurer 10 pots de loups. D'accord. Les noyadés. Siegfried propose une prime pour qu'on rapporte 10 langues de noyadés. Ça, à la limite, il y en a dans les égouts. Contrat sur les équinopes, ça, c'est dans le... C'est dans les marais. Je dois parler au receleur qui avait le glaive de sorceleur. Ah oui, je vois. Bah peut-être aller voir des... Mais c'était pas des noyadés, c'était des noyeurs. Cette caméra aux fraises, là, forgeron.
salutations. Bonjour. C'est qui, toi ? À qui ai-je l'honneur ? Je suis cireur de chaussures. Je décrotte vos choses pour 2 orins. Pourquoi pas ? Première visite à Vizima. Si on veut, parlez-moi de la cité ou occupez-vous de mes bottes. Si on veut, parlez-moi de la cité. Nous affrontons plusieurs crises sérieuses. Ils ont décrété la quarantaine à cause de la peste. Les écureuils défient l'ordre. Les monstres affluent par centaines. Et nous devons nous méfier des brigands. Comme le barde l'a chanté, Vizima est un bordel en feu. Voilà, il y a beaucoup de questions là. Dites-moi plus sur la peste. La peste a contraint le roi à décréter la quarantaine, et qui elle-même est redoutable pour les marchands. La peste a ravagé l'ancienne Vizima. Mais l'épidémie gagne notre quartier, et les malades sont transférés à l'hôpital Lebioda. Je m'intéresse aux brigands, mais d'un genre peu ordinaire. Ils sont... différents. Ils agissent brutalement et efficacement, surtout la nuit. Leur but reste obscur. Que pouvez-vous me dire sur l'Ordre et les écureuils ? La Scoyetel mène une guerre de harcèlement. L'Ordre de la Rose Ardente a pris la place du contre-espionnage. Et la haine contre les non-humains grandit chaque jour. Inutile d'être devin pour voir qu'il se trame quelque chose. Je cherche du travail pour un sorceleur. Vous n'aurez pas de mal à en trouver. Demandez aux marchands. Il y a aussi des problèmes au cimetière. Hey, mais je fais comment pour entrer dans le cimetière ? Y a-t-il des endroits intéressants à visiter ? Notre cité compte nombre de marchands. Un alchimiste. Un grand hôpital. Vous ne parlez pas comme un cireur de chaussures. Qui ne cache pas un squelette dans son placard ? Je vais m'occuper de vos bottes. Je vous ai assez ennuyé. Tu m'as pas ennuyé du tout, tu m'as appris plein de trucs. Par contre, ça n'empêche que je peux pas accéder là-bas, donc je peux pas accéder au marais. Et je ne peux pas... On ne passe pas. Et pourquoi ? Le capitaine a dit de vous avoir à l'œil. Pas de vous laisser passer. Compris ? Vous me faites perdre mon temps. On ne passe pas. Et pourquoi ? Le capitaine a dit de vous avoir à l'œil. Pas de vous laisser passer. Compris ? Adieu. Non, faut payer. Mais j'ai déjà pas de sous. J'ai rien. De Jacques d'Aldersberg, brille tant. Oiseau de mauvaise augure. Oh, mais vos gueules, les vieilles. Oiseau de mauvaise augure, sommeil. Bon, par contre, ça me dit pas. C'est vous, celui dont parlait Siegfried ? Siegfried, le chevalier des égouts ? C'est vous. Ce cocatrix nous donnait du fil à retordre depuis longtemps. Il paraît que le combat a été rude. Non. Il était jeune et a succombé rapidement. Que voulez-vous ? Me céderiez-vous certaines marchandises ? Je ne travaille que pour les amis de l'ordre. Au revoir. Il vous faut quelque chose ? Il est un peu bizarre. Quand êtes-vous rentré dans l'ordre ? Il y a un moment déjà. La caméra qui fait j'ai un pris coup là, sa suite. Un coup là, un coup là. Quelles sont les activités de l'Ordre à Vizima ? Nous luttons contre la peste, veillons au maintien de l'Ordre et combattons les monstres. Vous avez les mains pleines. Nous servons le peuple en brandissant haut la lumière de la Rose Ardente éternelle. Au revoir. Salutations ! Que puis-je pour vous ? Vous êtes l'apprenti du forgeron ? Je balaye, j'entretiens le feu et je m'occupe du magasin. Je peux regarder ? Excusez-moi, mais nous vendons exclusivement aux amis de l'ordre et aux croyants. Je ne vous connais pas. Adieu. Oh, elle saoule.
Oh pardon, excusez-moi. Je crois que je vais pas traîner en fait. Je vais pas avoir fait grand chose, je vais avoir tué 6 chiens, 3 ghouls. Vous plaisantez ? Non, je plaisante pas. Ouvre-moi cette putain de porte en fait. Je vais être frustrée parce que ma partie elle aura pas duré très longtemps en fait. Et en même temps, je suis fatiguée, j'ai mal au crâne. Mais ça me gonfle parce que j'ai accès à rien en fait. Concrètement, là, les contrats, les algoules, c'est dans le cimetière, les loups, c'est c'est dans les marais, j'ai pas accès. Les noyadés, c'est dans les marais. Les équinopes, c'est dans les marais. La digue, c'est dans les marais. Oh, pardon, excusez-moi. C'est ça, Chouquette, va te reposer un peu, mais moi je veux pas te traîner. Bonjour Raymond Malrueve. Mais qu'avons-nous là? Je suis Gérald de Rive. Votre légende vous a précédé, je peux vous aider? Vous pouvez me renseigner? J'ai travaillé pour les avocats Codringer et Fenn. J'imagine que ça vaut une recommandation. Vous savez qu'un renseignement, ça se paie. Je paierai. Je suis tout oui, loup blanc. Je m'intéresse aux gens qui portent des écussons de la salamandre. Je sais bien quelques trucs. Mais j'aimerais savoir d'où vient votre intérêt pour ce dossier. Bah, c'est des enfoirés. Hazard Javed, ça vous dit quelque chose? J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ma botte a rendez-vous avec l'arrière-train de Javed. Je fais payer mes renseignements d'habitude, mais ça fait un bail que je m'échine sur ce dossier. Et Hazard Javed dirige la salamandre. Il est plus dangereux qu'une fosse de Kikimor, mais il est intouchable. C'est pas mal déjà une fosse de J'ai Kikimor. J'ai eu un avant-goût de ses capacités. Rien d'autre? Ils ont monté une opération de grande envergure pour mener des expériences génétiques. Un voyou classique n'en aurait ni la connaissance, ni les moyens. Qui travaille pour Javed? Le capitaine de la garde qui a lâché l'enquête disparaît la nuit. Vous pourrez peut-être lui arracher quelques renseignements. C'est tout? Les gardes avaient arrêté un type qui en savait long. Des gardes? Dans des cachots? Oui. Allez interroger le prisonnier. Et essayez de tirer les vers du nez des gardes. Comptez sur moi. Ces informations sont sans doute cruciales. Vous savez autre chose sur le prisonnier de la salamandre? C'est peut-être un des chefs, mais on ne sera fixé que lorsque vous l'aurez interrogé. On verra. Juste une chose. Je crois que quelqu'un vous suit. Comment m'en débarrasser? Attendez ici un moment. Rendez-les nerveux. Surprenez ceux qui veulent vous surprendre. Je partirai à minuit. D'accord. J'ai pas eu le choix. Je voulais parler encore un peu avec le mec. D'accord, il me fout dehors. Le sorceleur prend son temps. Il a dû trouver une autre issue. Aucune importance. Sans doute.
Mais le piège est prêt? Certes, vous avez affaire dans le quartier des marchands. Je confie cette tâche à notre meilleur élément. Coucou! J'ose défier la salamandre! Je refuse de mourir maintenant. Putain de... C'est fini ? Oh putain, j'ai pris cher. Shani! Oh non, assassin, c'est vrai? Oh, mais c'est pas vrai! Mais je vous en prie, surveillez votre langage, monsieur, voyons. C'est vous qui m'avez attaqué en premier, en plus. Fishback, c'est autre chose. Du fistec. Je me retrouve avec de la drogue. Je me retrouve avec de la drogue sur moi. Bonjour. Enfin, le sorceleur Geralt répond à mon appel. Nos chemins se croisent à nouveau. J'ai encore besoin de vos services. Pourquoi ? Une affaire grave. Une découverte de nature a révolutionné l'alchimie. Et elle concerne votre profession. Continuez. J'ai perdu le fil de mes pensées. Vous aviez une mission. Aidez-moi à faire aboutir l'œuvre de ma vie. Il y a une tour dans les marais forestiers, près de l'ancienne Vizima. Avec une princesse au sommet et un dragon au pied. Je passe mon tour. Silence!
La légende veut que cette tour ait été érigée par un mage alchimiste. Pas question de princesse ou de dragon. Et que devrais-je y faire ? Le mage est mort il y a longtemps et la tour a sombré dans l'oubli. Le pouvoir qu'elle renferme a transfiguré les créatures alentour. En gros, elle fabrique des monstres. Précisément. Je veux en examiner la source, sorceleur, et rédiger un essai qui me fera passer à la postérité. Je m'emparerai des secrets cachés dans cette tour depuis tant d'années. Mais, et c'est là que le bât blesse, la tour est fermée. Je paierai 1000 orins celui qui m'y fera entrer. Ce ne sera pas une promenade de santé. Je vais étudier la question. Si la tâche était aisée, je n'aurais pas besoin de vous. Entrer par effraction dans le laboratoire d'un mage est ardu. Nous devons d'abord nous renseigner sur la tour. Nous renseigner ? Interroger les anciens et les habitants des marais. Lisez les livres. Mais je peux pas aller dans les marais. Rien ne vaut la retranscription de la sagesse passée. Vous avez des titres en tête ? Les passages secrets de Ransant Alvaro et un traité d'alchimie, Ensofor. Je sais qu'un nain avait un exemplaire des passages secrets. On n'a plus entendu parler du second livre. Vous pouvez essayer ma dernière invention pendant que vous les cherchez. C'est un cristal qui relie mon atelier au site d'énergie. Il vous permettra de vous téléporter en désintégrant votre corps en milliards de particules pour les faire voyager dans le continuum espace-temps. Ça donne envie. Et il reconstituera mon corps dans votre labo. Vous en êtes sûr ? Il subsiste toujours une possibilité d'erreur, mais elle est négligeable. Ouais, ça fait un peu peur quand même ton truc. Je viens pour... Vous avez peut-être de la moelle d'Algoul pour moi ? Pas encore, mais... Bah non, faudrait m'ouvrir le cimetière, putain ! J'en ai besoin pour mes solutions. Attends, j'ai pas fini. Comment fait-on pour aller dans les marais ? Aller jusqu'à la digue de l'ancienne Vizima en empruntant la porte occidentale. Et ensuite ? Vous trouverez un passeur qui vous mènera au marais. Le bac fait bien l'aller-retour. Oui, il y a un embarcadère dans les marais, près du hameau des briquetiers. Merci. Qu'est-ce qu'il a de beau à vendre, lui ? Les minéraux, spectres et fantômes, ça on l'a déjà lu. Ok, bon, on vous laisse vous coucher maintenant. Dormez bien. J'ai dit que je faisais quoi après ? Bah, je l'ai noté sur la carte, c'est bon. Je fais rapidement ce que j'ai noté sur la carte et après je vais me coucher, les enfants, parce que... les enfants. Parce que... faut que j'aille voir Shani. Ah oui, faut que j'aille voir Shani. Shani ! Oh non, la vieille. Viens ! Grisonnant ! Et encore à regarder sous les jupes. Quelle honte. Vieille, les cheveux blancs et emmerdeuse. Vous devriez avoir honte. Ce n'est pas ce que vous pensez. Inutile de me faire du gringue. La petite est occupée. Je vous prie de lui dire. Votre mère ne vous a pas appris les bonnes manières. Oh, elle est chiante. Elle doit s'en vouloir d'avoir donné le jour à un monstre pareil. Oh, je vais la tuer. Mais... Oh non, elle m'a foutu dehors. Grognard. Où allez-vous ? Et les bonnes manières ? Je suis venu voir Shani. Elle fait sa princesse dans sa chambre, se distrait avec ses invités et me verse un loyer de misère. Taisez-vous et laissez-moi passer. Sortez ! Vous n'avez pas à entrer chez moi comme ça ! Mais... Mets un coup de gourdin.
Je suis venu voir Shani. Le froid immaculé approche. Je le sens jusque dans mes os. Mais vous ignorez ce que j'endure dans cette maison glaciale à mon âge. Ah, oh, elle veut un châle. Elle me gonfle. Elle veut un châle que je n'ai pas. Sortez! Vous n'avez pas. Oh, mais un coup de gourdin dans sa gueule à la grand-mère et c'est réglé! Enfin! Gérald! Te laisse pas faire comme ça! Bienvenue! Mettez-vous à l'aise! Ah, elle est trop zarbe, la grand-mère. Aïe, 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 aïe. Shani! Enfin, te voilà. On dirait bien. Tu as convaincu la vieille peau de te laisser passer? Quelle cette adorable vieille femme, petite en bas. Petite tenue, Shani. Elle fait de ma vie un enfer. À ton âge, une fille doit être mariée. C'est dégueulasse ce que tu lui dis, là. Vieille mégère devrait être morte depuis longtemps. C'est comme ça, les vieux. C'est comme ça, les vieux. Au moins, le loyer est bas. En Temeria, les médecins sont mal payés. La plupart se sont expatriés. Tu es resté. Quelqu'un devait se dévouer. Bref. Oui. Bonjour, Shani. Je voulais te parler. Bonjour. Qu'y a-t-il ? Parfois, je rêve de la bataille de Brenna. Le massacre. Je suis désolé. Justement, je ne suis pas désolé. Je me réveille fraîche et dispose... Comme si j'étais habituée à la souffrance, tu comprends ? Oui. Merci. Parfois, ça fait du bien de se confier. Je suis là pour ça. D'accord. Shani, te recouche pas, s'il te plaît. On a à parler. J'avais des choses à te dire. Shani ? Oui ? Bonjour, Shani. Je voulais te parler. Désolée. D'accord. Bon, bah, a priori, elle ne veut pas me parler. Ça sert bien à quelque chose d'avoir fait un petit détour. On va éviter la grand-mère. Et donc là, je vais aller vite fait par là. Oh, je suis désolée. Hein. Alors, c'est qui que je suis censée voir ici ? Tala. Ça y est, je me souviens. Bonjour. Tu dors pas ? Bonjour. Oh là. Gérald. Je ne fais rien là. Sincèrement, j'ai rien fait. Et je viens de donner un coup dans mon micro, je suis désolée. Comment ça se fait ? Mais... Furosler. Oui, on a avancé. Vous êtes dans quoi ? Tout ce qui rapporte, et puis tutoie-moi. Mm-hmm. Alors tu te décides ? Les gardes ont saisi un glaive de sorceleur ici. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Berengar est passé te voir. C'est pas son putain de coupe-coupe. Comment elle sait-tu ? J'ai le reste des affaires de ton petit copain. Le reste des affaires ? Bah, à part le glaive, tu piges ? D'accord. Où as-tu récupéré le glaive ? Qu'est-ce que ça me rapporte ? Je partirai sans t'éventrer. D'accord. J'ai acheté un type dans la taverne de l'ours poilu. Tu peux le décrire ? C'est le plus célèbre joueur de dés du patelin. Et comment as-tu récupéré les affaires de Berengar ? Par un intermédiaire. Et où je peux le trouver ? À l'ours poilu. Son nom c'est Coleman. Oh non, Coleman. Et comment as-tu récupéré l'intermédiaire ? Viens pas me prendre la tête. Il bossait pour Kalkstein. Je te fais cadeau du renseignement, pour le reste faudra payer. Tu sais quelque chose sur la salamandre ? Ouais, mais je sais pas ce qu'ils veulent, ces reptiles. Ces amphibiens. De quoi tu parles ? Ce sont des amphibiens. Quelles sont tes relations avec eux ? Bah, j'en sais foutre rien. On verra ça. Attends, j'ai d'autres choses à lui dire. Alors tu te décides ? Tu es joueur ? Je suis un putain de génie au poker, pourquoi ?
Une petite partie? Eh, t'as les couilles bien accrochées? On va le savoir. Et dans pas longtemps. Explique-moi pourquoi les gardes tolèrent tes affaires. Faut savoir se débrouiller dans ce monde sans pitié. Se débrouiller? Les gardes ont autant besoin de moi que les voleurs. J'ai des accords avec tout le monde, alors je suis intouchable. Si tu le dis. Alors tu te décides? Bah, montre-moi ce que t'as et ensuite... Fléau de guerre. Il en a des trucs. Rune du soleil. Peut-être gravé sur la lame d'un glaive en argent. Incinération et aveuglement. Putain, c'est si cher. Anneau d'or. Ah bah il va les acheter mes anneaux là. Ok, et donc là, lui, il a livre du Loriot doré. Contient des secrets de sorceleur. Ah, super. Voilà, Ruine du Soleil, elle me tente vachement. Ah, il a une météorite bleue aussi. Mais la rune, elle me tente vachement. Et le livre aussi. Mais c'est 400 et 300. Et en même temps, incinération et aveuglement, ça peut être vachement intéressant pour les équinopes. Je vais la prendre. Ouais. Je vais la prendre et puis... Il faudrait que je gagne 300, quoi. Là, il me manque 300 pièces d'or. Enfin, il me manque 300 or. Hein. Alors, tu te décides? Ah, pas mal. C'est pas bon. Non. C'est pas bon. Ok, c'est bon. Oh, par contre, je gagne rien, quoi. Alors, tu te décides? Joli. Petit brûlant de 4 là. Non, je me gourre encore. Yes, n'importe quoi. Ça passe.
Ça passe, mais je gagne rien, quoi. Alors. Deux, trois, quatre, cinq. Alors, tu te décides? Il est en train de me foutre la branlée qu'il m'a pas foutu au début là. Ah, c'est mort. Oh mais putain. Bon, c'est sur ces bonnes, sur cette merveilleuse partie que je vais arrêter. La prochaine fois, donc dans 15 jours, il faudra que je récupère de l'argent pour récupérer les bouquins des fleurs, plus le parchemin que lui il a. Et puis bah, on commencera les quêtes de sorceleur si j'arrive enfin à accéder au cimetière et tout ça, parce que bah là pour le moment c'est un petit peu complexe. Voilà. Bon les pinous, je tombe de fatigue, donc je fais pas de raid. Ça fait un moment que j'ai pas fait de raid. Je prends pas le temps. Je vous rappelle très rapidement s'il y a des gens qui sont encore. Punaise, mais. Donc je rappelle rapidement s'il y a encore des gens dans le chat qui pourraient être intéressés. Sur le Discord, il y a actuellement un concours en route. Donc point d'exclamation concours. Concours. Je sais plus écrire. Donc un concours de la rentrée, il y a 3 lots à gagner, ce sont des petits lots voilà, faits main. Ce sont des planches de stickers, donc des planches de stickers en diamond painting. Comme vous pouvez le voir, ils sont en relief en fait. Ils sont faits avec des strass. Donc là on a le thème de la nature. De la nature avec des animaux, un nuage, un soleil qui sourit, tout le monde, tout ce petit monde-là, tout est beau, tout est gentil. Voilà, donc ça c'est le premier lot, donc le set d'autocollants sur le thème de la nature. J'ai également un set d'autocollants sur la gourmandise. Toujours pareil, hein, c'est du diamond painting, ils sont en relief avec des petits strass. Voilà. Donc avec des donuts, des parts de gâteau, des barba papa, des glaces, etc. Donc ça c'est le deuxième lot. Et il y a également un troisième lot, il y aura 3 gagnants pour le concours de la rentrée. 3 gagnants, donc 3 tirages au sort, un qui pourra choisir entre les 3 lots, le lot qu'il veut. Puis le deuxième
pourra choisir les deux, entre les deux qui restent, et le troisième aura le troisième lot, évidemment. Et le troisième lot, c'est le lot de la jungle, avec des animaux un peu exotiques, des fleurs, des fruits, etc. Donc voilà, actuellement, vous pouvez rejoindre le Discord pour pouvoir participer à ce concours. Il y a un salon concours dédié à ça. C'est quoi cette mèche de cheveux là qui est rebelle? Personne m'a rien dit. Voilà, donc point d'exclamation au Discord. Donc voilà, si vous souhaitez participer, rejoignez le Discord et faites, enfin réagissez au petit post par rapport au concours. On a Sefi qui vient vous dire, vous souhaitez la bonne nuit. Tu viens mon Nuno? Viens, on va dire bonne nuit au Pinou. Tu viens? Mao? Viens, c'est le moment de dire bonne nuit au Pinou. Voilà, pour ceux qui voulaient voir Sefi, le voilà. Ma petite star. Ma petite star. Tu dis bonne nuit au Pinou? Puis on va aller faire dodo, nous. Voilà, donc les Pinous, il est largement temps que j'aille me coucher parce qu'il est tard et que je suis épuisée. J'ai à peine dormi cette nuit. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne nuit de beaux et doux rêves. Avec ces filles, on espère que votre nuit sera douce. On vous dit à vendredi donc pour faire un peu de Bioshock parce que... tout simplement parce que... Ah, tu veux t'en aller? Bah, mon amour. Tout simplement parce que bah voilà, on n'a pas de jeu multi de prévu. Et en plus, ça me permettra de récupérer... l'heure et demie que j'ai perdue. Donc voilà, j'étais assez frustrée la semaine dernière. J'aurais pu continuer The Witcher cette semaine, mais non, on va faire du Bioshock. Comme ça, je vais pouvoir reprendre tout ça. Des bisous, une bonne nuit, et moi je m'en vais, je tombe de fatigue, je ferai la VOD demain. Là, je suis trop fatiguée. Des bisous, une bonne nuit, ciao ciao. Allez faire dodo. Allez, il est l'heure, il est tard, il faut aller faire dodo. En attendant, moi je tombe de fatigue. Des bisous. Bonne nuit. Ciao, ciao.
Thank you.